Yo la team, on se retrouve sur les toits de Marrakech. J'amène avec moi toute ma famille. D'habitude on est deux, là on est cinq. Et on va découvrir les meilleurs endroits, les trucs à faire à Marrakech. Des jardins, des super cafés, des restos, des terrasses. Il y a plein de terrasses ici. Là on est un super Airbnb aussi. On va vous donner l'adresse, petite piscine, enfin bref, royal. Donc vous venez avec nous et on est parti pour cette saison 5. J'emmène ma famille à Marrakech. Je suis rentré chez toi, j'ai tout pris, même ton cœur, je suis parti avec. Bébé a le bras long comme le fils, je sais pas si t'as la ref. Pour t'emmener au soleil, c'est pas ce que j'ai fait, j'ai dû vendre de la neige. Elle se massica. Marrakech! Bon, là on va au Riyad, on a le gars qui nous a récupéré. Je crois qu'on a 20 minutes. Et voilà, on doit être parti pour découvrir Marrakech, enfin en tout cas pour leur faire découvrir. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Yanis, enchanté. J'ai 32 ans, deux superbes enfants. Moi, je suis le beau-frère de Julien, mais je suis un petit peu son père aussi. Et moi, c'est la première fois à Marrakech et ce que j'attends surtout, c'est la fumette. On n'est pas venu là pour pas s'en fumer. Marie, bonjour. Salut, moi c'est Marwa, j'ai 25 ans, je suis la femme de Julien et c'est ma deuxième fois à Marrakech. Pour cette fois, j'attends beaucoup de soleil et manger, faire les visites qu'on n'a pas fait la première fois. Marie, bonjour. Moi, je suis le père de Mélanie et Julien. C'est la première fois que je mets les pieds à Marrakech. Et j'espère bien découvrir la cuisine et les Marocains. Marie, bonjour. Salut, moi c'est Mélanie, je suis la sœur de Julien. Et il m'a offert ce voyage à Marrakech. J'ai hâte de découvrir. Donc là, je crois que c'est parti. On va aller visiter la Médina. Ce que j'aimerais surtout voir, c'est les jardins, les palais, se faire masser, aller à Agha Faye. Donc trop hâte. Alors Marrakech, les amis? C'est génial, on adore. Franchement, j'adore. C'est canon. C'est dépaysant. C'est comment? Extraordinaire. C'est un mélange de fruits, regarde. Mel? C'est très bon. Montre, montre ta fumée. Regarde le touriste. Ça va le touriste? On est au café des épices. Montrer le menu. Si je le chope. Pas beaucoup de plats, mais des trucs vraiment très bons, pas très chers. Voilà. Qu'est-ce que t'as pris toi? Tagine. Viande kefta. 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 Kefta agneau et toi? Kefta ekhira. Ekhira. Et toi? Moi j'ai pris un petit tagine d'agneau. Et alors? Il est excellent. Excellent? Excellent. Bah très bon alors. Bon, on sort du café des épices. Franchement, c'était vraiment bon. C'est pas cher, t'es au soleil et tout, donc voilà. Bon bail, bon bail. Et là, ça c'est mieux que Cyril Gane et Ganou. Hein. T'es mal apprise. Là, c'est une soumission terrible. Qu'est-ce que t'as pris? Dis-nous tout. Chanel de bled. Qui l'a pris alors? De parfum. C'est voilà. Quoi ça? Parfum? Ça c'est Coco Chanel de bled. Coco Chanel? Ouais, ça c'est le Chanel numéro 5. Ça c'est du cèdre. Ça c'est l'ambre. Ça c'est le musc. Ça c'est du bois de santal. Ça c'est du jasmin. D'accord. Ça okay. Dans les armoires, la car, la voiture. Et ça okay. Se garde longtemps.
Ça va, vous faites pas trop alpaguer ici? Non, ça y est, on a l'habitude. Ah, ça y est, vous êtes des... Comment on dit? Des gazelles. Des gazelles, oui. Je casse la baraque. T'es bien? On est bien. T-shirt, tranquille. Un 7 décembre, incroyable. La team, je vous ai trouvé un rooftop de malade. Ça s'appelle Elfen. C'est juste à côté de la Médina et c'est juste trop beau. Là, ils sont là, ils boivent le thé. Je les laisse boire le thé. Petite piscine, très tchatcheur. Et t'as la vue. Voilà, sur la Katouba de Marrakech. Magnifique. Bon, là on se fait petit poulet. C'est un petit poulet là, très très stylé, donc dans la rue. Hein. Et on va se régaler la team encore une fois. Bon, on va goûter. Ah, j'en ai partout. C'est pas monstrueux, monstrueux. Elle n'ose pas traverser. Pourtant, c'est un passage piéton quand même. T'as un oublié? Non. Il me flingue. Bon, l'inconvénient par contre, c'est que comme on est 4, on peut pas prendre un taxi. Parce qu'ici, c'est, tu peux être à 3 maximum. Donc on doit prendre 2 taxis quoi. Ça c'est la variété de brioche. Ouais. Triangle de cipolli, de fromage, de végétarien. Au milieu sauce piquante. Ça c'est la carotte avec fleur d'oranger et cannelle. Ça c'est poivron avec sauce tomate, betterave, aubergine fumée, concombre avec fleur d'oranger, la pomme de terre marinée et le menthe. Bon, on se régale la maroine, non? Tu te régales, Baba? Oui. Pastilla au poulet, terrible. Ça c'est la vie, ça. Aubergine. Ah, on fait la place. Poulet pour moi. Merci. On est passé là hier. Essayer de voir finir sous un autre angle, c'est pas mal aussi. Bonjour YouTube. Franchement, c'est régalé ce midi au resto. C'était trop bon. C'est un grand jardin là à droite. Tandjia. Tandjia. À côté des deux palais, Badia et El Badi. Super adresse. Avec une belle vue et tout. Donc vraiment, vous pouvez y aller. Ouais, bah, c'est bon. C'est bon de fou. Et la direction, Agafay, le désert. On a pris un guide. Enfin, en tout cas, un taxi pour nous emmener là-bas. Et après, on va au Alkamar Camp. Petite trouvaille de Mélanie. Donc, on va voir ça.
Moi là franchement, je suis dans mon élément. J'adore. Fingiendo que ya no pienso en ti. No sé a quién le miento. Si esto que siento no me deja dormir. Amis, demande express du Padré, il voulait visiter les montagnes du Maroc, donc on est parti à la vallée d'Ourika. C'est à une heure de Marrakech. On a notre chauffeur Youssef qui va nous montrer un peu tous les petits trucs à voir. Alors, jus d'orange, Mel. Combien le jus d'orange? 2 euros. 2 euros, ouais, quand même. 20 dirhams. 20 centimes. Et pour nous, une fois 10 sur la calculette. Il doit être bon alors. Il vient de prendre le lead là. Il veut montrer. Alors ici dans la vallée, la spécialité c'est de manger par terre en fait, au bord de la rivière, donc comme ça. Franchement trop mignon. Dégustation d'escargot, c'est parti. Première. Sur la place. Et il y a tout ça comme escargot et c'est 2 euros. Et tu manges ça voilà, sur la place tranquille. C'est bon. Très bon? Ouais, c'est bon.
tu mets la coquille, tout ça? Là, Valence. Ok. Alors, Mel? Ça va goûter encore. Ah, t'as pas goûté? Ah, en direct alors. C'est bon, Marois? Voilà, mon ami. Parfait, merci. Un délai malgré avec des côtelettes? Ouais, merci. Un délai malgré avec des bien, papa, regarde, là. Regarde les sardines. Elles sont belles, les sardines de l'océan. C'est quoi ça, papa? De l'Atlantique. Regarde du requin. Regarde les beaux mulets. C'est beau, hein. Ça a bien crié, c'est aussi bon qu'un bar. Ça, c'est du requin, ça? Ça, c'est du requin coupé en tranches. Et ça, c'est quoi? C'est des queues du lac. C'est ça. Pas des lacs. J'adore cette partie-là. C'est très reposant. Petit cours d'arabe derrière. Shahada. Mélanie, elle est agressive quand elle parle arabe. Tout à l'heure. Allez. On va faire nos cadeaux. Et après, quand c'est ok, tu dis Safi. Quand c'est trop, tu dis Bezef. Ouais. Dis devant la caméra. La Bezef. Pourquoi t'es agressive quand tu parles? Safi. Je ne comprends pas pourquoi de l'agressivité dans la bouche tout de suite. Yalla!